Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, les couronnes. Alors, je suis avec le docteur Michel Abou, vous êtes chirurgien-dentiste. Les couronnes, on sait à peu près tous ce que c'est, mais bon, expliquez-nous vraiment. Oui, moi aussi, je sais à peu près. Disons que la couronne, c'est une coiffe. C'est une coiffe qui vient protéger une dent qui a été, ou qui a été altérée d'une manière ou d'une autre physiquement. Cette coiffe, on va la mettre selon quelle indication? C'est sur des dents cariées? Une dent qui a une forte carie, qui a été cassée et qu'on ne peut pas reconstituer de façon fiable avec un matériau plastique, avec un pansement. Donc on est obligé de la reconstituer physiquement et cosmétiquement parfois, surtout quand il s'agit de dents antérieures, avec ces coiffes. Il ne faut pas confondre les couronnes et les facettes. Alors, la facette, c'est une coiffe également, mais c'est une coiffe partielle, qui n'obture que la partie visible de la dent. La couronne, elle a la particularité de protéger, d'englober l'intégralité de la dent, pratiquement. Absolument. Les couronnes, il en existe de plusieurs types. Alors, c'est quoi? C'est métal? Métal, alliage métallique en général, résine, mais la résine, c'est en général réservé aux couronnes provisoires, et puis céramique, céramo-métal, c'est-à-dire céramique avec une base métallique, ou céramo-céramique, qui est aujourd'hui le nec plus ultra. C'est le nec plus ultra. Voilà. La différence de tout ça, bien sûr, c'est l'esthétique, mais c'est aussi le budget. Exactement. Okay. Donc les questions de budget, il faut bien dire qu'il y a des dents vraiment pas chères, à l'étranger, souvent, mais attention même à ce qu'on se met dans la bouche. Même en France, oui. Attention à ce qu'on se met dans la bouche. Oui, il peut y avoir des couronnes toxiques. Oui, il peut y avoir, notamment dans l'arsenal des couronnes métalliques, il peut y avoir des alliages avec un relargage de métaux plutôt délétères. Mais bon, en principe, si le praticien, le prothésiste respecte la législation, ces matériaux, pas de toxicité. En principe, non. Voilà. OK, donc on sait tout sur les couronnes. Merci, attention à vos dents, protégez bien votre dentition.